J'ai fait une version anglaise de cette vidéo et j'ai pensé que pourquoi pas faire une autre version en français. Ouais, ça fait un peu plus, un an et un peu plus, quelques mois que j'étais dans l'industrie, voilà, dans le métier de camionneur. Et après beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui s'intéressent, les gens qui m'interpellent par rapport au sujet, et même mes partenaires, j'ai décidé de lever le challenge, ok? J'ai décidé de prendre ce challenge là sur moi et de former. Alright, j'ai des frères, des connaissances, des amis de par le monde entier qui me disent j'aimerais être camionneur, est-ce que aux États-Unis, il faudra pas être motoboy et tout. Non, ici aux États-Unis, tu es formé et directement tu peux avoir ton camion, tu peux être seul, tu peux être employé. Donc c'est exactement ce que j'ai commencé à faire depuis 2 jours maintenant. Depuis 2 jours apprendre à former, passer mes connaissances que j'ai acquises depuis un moment et former d'autres personnes. Et voilà, 3 jours de formation, je termine demain et j'aurai mon premier élève. Donc du coup, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Une autre étape dans ce business. Et je suis très excité d'enfin commencer, d'enfin pouvoir transférer ces idées-là. Qu'est-ce qu'on a fait déjà depuis hier? C'était surtout de savoir qui fait quoi, quand, comment, qui ne fait pas quoi, le respect, les règles, la réglementation, comment dormir dans un camion pour deux, parce que là, j'ai un lit en étage, comme on le dit en français, un bunk bed en anglais. Et du coup, il y a des principes, quoi. Des principes. Donc, on a fait les principes. On a sommes allés sur. On a aussi parlé, oui, je pense, on a aussi parlé de la réglementation sur la route, les heures de conduite, la journée, la nuit, comment est-ce qu'on devrait alterner. Il y a plein de règles que moi-même je ne savais pas, que j'ai apprises. C'est plutôt parce que j'aurais quelqu'un sous mon aile. Safety wise, la sécurité routière, on a encore repris cela. Voilà. Donc il y a plein de détails que lorsque tu es avec quelqu'un, tu dois savoir. Un rafraîchissement de connaissances légales que tu dois savoir. Et c'est ce que je fais depuis hier et aujourd'hui. Et la formation va se terminer demain où j'aurai mon premier élève, et on verra bien ce que ça donne. Donc, si aussi pareillement quelqu'un est intéressé, tu vis aux États-Unis, tu vis en Amérique du Nord, Canada et autres, oui, tu peux être chauffeur camionneur, avoir ton permis de conduire en 2 semaines, oui, de 14 jours, voire un mois maximum. Tu es payé pendant que tu es élève. Et après, dans 2 mois, tu as la formation complète, ok? Donc, c'est ce que je m'apprête à faire là avec un élève, avec une nouvelle personne, peut-être deux. On va voir comment ça va se passer. Surtout que c'est l'hiver qui arrive, donc... donc, d'ici là, ça va. Pour le moment, ça va. Ça se passe très, très bien. Je ne suis pas très déçu de la décision que j'ai prise. Ça serait un challenge, ça serait difficile d'avoir quelqu'un avec moi dans le camion. Moi, je sais ce que c'est parce que j'étais avec quelqu'un dans le camion de quelqu'un pendant 3 mois. Donc, ça c'est vraiment la partie la plus difficile, c'est de vivre avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un dans le même camion, dire que comment conduire, la paperasse, quoi faire, quoi ne pas faire. Je sais, je connais le métier et je vais transférer mes connaissances. Si jusqu'à présent ça a été successful, ça a été plutôt bien avec moi, ça serait bien pour celui-là qui viendra, et il va s'ajuster en fonction de ses préférences, parce que
chacun a sa préférence de conduite ou alors de gérer des situations. Donc, je vais transférer ce que je connais. Donc, si toi aussi, ça t'intéresse, si toi aussi tu veux faire le métier de camionneur, n'hésite pas, petit voyageur, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, contacte-moi, petit voyageur. Je ne donne pas mon numéro de téléphone. Ça, ce sont mes comptes Facebook, YouTube et Instagram, petit voyageur, PETIVOYAGER, petit voyageur. Sinon, par email, je ne check pas mes emails très constamment, mais par email aussi, lacarapace, LACARAPACE, @yahoo.fr. Donc, lacarapace@yahoo.fr. En attendant de vous savoir camionneur, après plusieurs personnes que j'ai déjà référées, n'hésitez pas. En venant, si ça vous intéresse d'être camionneur, posez-moi la question, entrez en contact avec moi et on verra si la curiosité du monde externe, ça vous intéresse de savoir ce que c'est de découvrir l'Amérique, découvrir la route et être loin de sa famille, ce que c'est, ce que ça demande, de ce risque-là, est-ce que ça vaut la peine? Oui, contactez-moi et on en parle plus en détail. Quand j'ai fait cette vidéo en anglais déjà, j'ai déposé sur YouTube, je vais encore déposer celle-ci-là encore sur YouTube. Donc, on te donne jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et Godspeed.